Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous faire une petite présentation de mes achats Blu-ray en import depuis quelques mois. Donc ce sera assez succinct, je vais survoler les aspects techniques pour une fois, je parlerai de tout et de rien selon mon inspiration, donc en sachant que pour tous ces Blu-ray, il y a bien la version française et donc aucune version québécoise. Alors je débute avec le Blu-ray du film Cutthroat Island, donc l'île aux pirates en français. Donc découvert au cinéma, donc voilà un très bon film de pirates, hein, comme on n'en fait plus malheureusement, avec de vraies explosions, donc très loin des fonds verts et de la gaudriole de la saga Pirates des Caraïbes. L'histoire est une chasse au trésor assez classique, hein, mais assez réussie dans le genre. On retrouve Jenna Davis et Matthew Modine qui forment un duo assez sympathique. Hein. C'est réalisé par Rennie Harlin, l'ex-mari de Jenna Davis, hein, qui a réalisé Die Hard 2 et quelques bons petits films hein, comme Cliffhanger ou encore Au revoir à jamais, avec une nouvelle fois d'ailleurs Jenna Davis. Donc c'est édité par Lionsgate, donc c'est un import américain. Le français est présent en Dolby Digital 5.1. Voilà, l'image est très correcte. C'est un titre qui n'a pas été édité en France, hein, mais qui est dispo sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Alors j'enchaîne avec le Blu-ray du film My Cousin Vinny. Donc ça c'est mon cousin Vinny en français hein, tout simplement. Donc ça fait partie des découvertes lors de mes années vidéo club hein, lorsque j'étais ado. Une bonne petite comédie avec Joey Pesci et Marisa Tomei. Alors l'histoire de deux jeunes accusés de meurtre hein, par méprise et qui font appel à leur cousin, un petit avocat sans expérience pour les innocenter. On remarquera que l'un des deux jeunes est interprété par Ralph Macchio, hein, le Daniel LaRusso de Karate Kid. Alors c'est édité par 20th Century Fox, hein, il s'agit d'un apport US, donc encore une fois un titre inédit en France. L'image est très bonne et on a bien l'AVF présente en Dolby Digital 2.0. Le titre est disponible pour 9 euros sur Amazon chez le vendeur Rarewaves United. Je poursuis avec le Blu-ray du film Kingdom of Heaven, vu au cinéma, donc un très bon film de Ridley Scott avec une pléiade d'acteurs dont Orlando Bloom, Liam Neeson, Jeremy Irons et Eva Green. Donc j'ai redécouvert le film en Director's Cut et il prend une toute autre dimension en rétablissant toute l'histoire de la princesse Sybille. C'est bien elle qui devient la véritable héroïne du film. Donc 45 minutes supplémentaires et le film devient tout simplement grandiose. Alors c'est édité par 20th Century Fox, encore une fois. Donc j'ai acheté cet apport US car le Blu-ray français fait partie des Blu-ray défectueux. En plus, ce n'est pas du tout le même transfert HD que celui de Pathé qui était assez moisi. Hein. L'image ici est superbe et on a bien l'AVF présente en Dolby Digital 5.1 et des sous-titres français pour la Director's Cut. Donc ça fera largement le taf en attendant une éventuelle édition 4K. On peut encore trouver ce titre pour 11 euros sur la Fnac, voilà tout simplement. Alors je continue avec le Blu-ray du film L'Éveil. Alors je l'ai découvert également par le biais de mon vidéoclub. Donc c'est un très beau film, émouvant, touchant et formidablement interprété par le duo Robin Williams-Robert De Niro. L'histoire d'un jeune chercheur qui se voit confié à un groupe de malades chroniques atteints de troubles psychiques profonds. Il va peu à peu les ramener à la vie grâce à un nouveau remède et s'occupe plus particulièrement de l'un d'entre eux. Voilà. Donc c'est édité par Sony. Alors il s'agit d'un apport allemand, hein, comme vous pouvez voir la signalétique. C'est un titre totalement inédit en France. Alors, d'après ce que j'ai lu sur le net, apparemment, ça va sortir en janvier 2023, 10 ans après la sortie allemande. Hein, voilà, jamais trop tard, hein, on va dire. Hein. L'image est très correcte. Voilà, on a bien l'AVF donc présente en Dolby Digital 2.0 et le titre est encore trouvable hein, pour 15 euros sur Akuten. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Chapeau melon et bottes de cuir. Alors c'est un... Je l'ai découvert au cinéma, hein. On a beaucoup chié hein, sur le film, mais moi je le trouve sympa en fait, et c'est un plaisir coupable en somme. J'aime bien son côté so british, et le duo d'acteurs Ralph Fiennes et Uma Thurman dans les rôles de John Steed et Emma Peel fonctionne vraiment bien, tout en humour et en charme, face au toujours très classe Sean Connery en bad guy. Donc c'est édité par Warner Bros, encore un apport allemand, hein. L'image est correcte globalement et la VF est présente avec une piste en Dolby Digital 5.1. Un titre totalement inédit en France, je comprends même pas sa non-sortie chez nous. Hein. Le titre est disponible pour 8 euros sur Amazon Allemagne.
Alors, je poursuis avec le Blu-ray du film pour le pire et pour le meilleur. Donc, je l'ai découvert également au cinéma. Le genre de petite comédie US dont j'en entendais pas grand-chose. Et ce fut un vrai miracle. Le film est souvent drôle, mais aussi touchant. Jack Nicholson, il est juste incroyable. En écrivain misanthrope et névrosé. Il est merveilleusement bien entouré avec Helen Hunt et Greg Kinnear. C'est voilà, une pure merveille, ce film, franchement. Donc, c'est édité par Sony, donc encore un apport allemand, un titre totalement inédit en France. L'image est correcte globalement et la VF est présente en Dolby Digital 5.1. Donc, un titre totalement inédit en France, voilà, comme je le disais. Mais encore trouvable pour 14 euros sur Rakuten. Alors, il me semble que le Blu-ray 4K est sorti aux États-Unis dans le gros coffret Sony Classique Volume 2. Voilà, je pense qu'il ne devrait pas tarder à sortir aussi à l'unité. Maintenant, on verra bien dans les mois qui vont suivre. Alors, je continue avec le Blu-ray du film Obsession Fatale. Alors, moi, je l'ai découvert au Vidéoclub. Un petit thriller des années 90 assez efficace avec le regretté Ray Liotta et Kurt Russell. L'histoire d'un couple agressé un soir dans leur quartier. Un officier de police prend leur déposition et les soutient. Ils deviennent amis, problème. Sous des aspects respectables, ce policier est un psychopathe d'une grande violence. De plus, il s'éprend de la femme du couple. Alors, c'est un apport espagnol, et plus précisément un bootleg, donc une édition non officielle. Un titre inédit en France, donc l'image est vraiment correcte. La VF est présente en Dolby Digital 2.0. Voilà, le titre est disponible sur DVD Store Spain pour 11 euros. Alors, j'enchaîne avec le Blu-ray du film Guet-apens. Alors, je l'ai découvert au cinéma. Même s'il ne vaut pas l'original avec Steve McQueen, ça reste un bon remake avec Alec Baldwin, Kim Basinger et Michael Madsen. Donc, la solidité d'un couple de cambrioleurs est mise à rude épreuve lorsque la femme, pour libérer son mari enfermé dans une prison mexicaine, doit faire appel à un malfrat de haut vol, seul capable de le faire libérer. Alors, c'est un apport espagnol, encore une fois, un bootleg, donc une édition non officielle, un titre inédit en France. L'image est assez correcte et la VF est présente en DTS HD Master Audio 2.0. Le titre est disponible sur DVD Store Spain pour 9 euros. Et je termine avec le Blu-ray du film Désigné pour mourir, donc découvert au Vidéoclub. Donc ça fait partie des meilleurs films de Steven Seagal pour moi. J'aime bien l'ambiance mystique qui s'en dégage avec des dealers jamaïcains pratiquant de la magie vaudou. L'histoire d'un super flic incorruptible qui prend quelques jours de vacances après une affaire particulièrement difficile. Il va bientôt se heurter aux dealers locaux qui jurent de lui faire la peau. Et il s'attaque à sa famille. Voilà, c'est un apport espagnol, également un bootleg. Donc l'image est propre et la VF est présente en DTS HD Master Audio 2.0. Le titre est disponible sur DVD Store Spain pour 7 euros. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, selon les retours que j'aurai, j'espère faire un volume 3 et même un volume 4. On verra bien. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.